Les cours sont enfin finies pour aujourd'hui. Du coup, on va pouvoir souffler. Mais il y en a une qui doit encore travailler. Nikki, regarde! Il y a un placard sous les escaliers. Hmm, intéressant. Et Sally, c'est rien, ok? Alors, on devrait aller voir? Fais juste pas de bruit. Ça va être notre pièce secrète sous les escaliers, Sou. Dans ce cas, on a besoin de matériaux. Il y en a plein dans l'école. Suis-moi. R.A.S. On va pouvoir se mettre au travail. On pourra utiliser ce rideau. Viens par ici. Tu vas avoir une nouvelle maison. Chut. Faut que je fasse encore moins de bruit. J'espère que personne va nous attraper. Nounours, t'es à moi maintenant. Oh, un globe. Il va m'être utile aussi. Et Nikki a de grands projets pour ses classeurs. On va les prendre avec nous. Principal, je peux prendre votre place? Ne vous inquiétez pas. L'école est entre de bonnes mains. Tout le monde aura des A. Et des hamburgers pour le déjeuner. Bon, j'ai mieux à faire. Je vais juste prendre cette lampe. Il n'y a rien d'autre d'utile ici. Il est temps de retourner dans la pièce secrète. Sou a aussi fait une bonne prise. Regarde ce que j'ai. Viens, on a beaucoup de travail. Il y a plein de place ici. Mais il y a beaucoup de trucs inutiles. On va faire de la place. Attrape, Sou. On n'a pas besoin de seau et de serpillère. Mais on peut garder ça. Ça apportera de la couleur. Il n'y a pas meilleur endroit pour s'amuser que dans la pièce secrète. Choisis n'importe quel jeu. Mais Sou n'a pas de chance aujourd'hui. Nikki a encore gagné. J'ai une idée. On va décorer les murs avec des autocollants de toutes les couleurs. C'est du génie, Nikki. C'est super facile. Quand on a des autocollants, on n'a pas besoin de papier peint. On va prendre ça aussi, Sou. Comme tu voudras, Nikki. La pièce secrète est tellement colorée maintenant. Mais c'est toujours pas assez confortable ici. Sou sait quoi faire. Nikki, voilà notre nouveau tapis. Étale-le. Reste pas planté là comme ça. Comme c'est beau. Et tellement confortable. Maintenant, on peut se détendre ici quand c'est la pause. Mais Sou a encore plein d'idées. Où est-ce que je pourrais mettre ce rideau? Nikki a la solution. Sou, regarde! Ça a l'air pas mal, non? Waouh! Un hamac, c'est ça qui nous manque. Ok, vas-y, Nikki. On peut le faire. Fabriquer un hamac, c'est facile. Suffit de faire un nœud de chaque côté du rideau. On le serre bien. Et ensuite, on attache le tissu avec une corde. Maintenant, on fixe le hamac au mur. Et on attache l'autre côté à l'escalier. Nikki, je suis prête! Alors, on peut tester ce nouveau hamac? Waouh, il est solide! Et super confortable! La pièce sous les escaliers devient de mieux en mieux. Mais ce n'est que le début! C'est le moment de grignoter. Ouais, on va sortir nos goûters! Sou, t'en veux? Oh ouais! Mais d'abord, on devrait faire des étagères pour notre nourriture. Et pour ça, on peut utiliser des classeurs. T'es sûre, Sou? Bah ouais, Nikki! Regarde! On va faire des trous ici. On passe des rubans dans les trous. Et on les attache au mur. Ouais, ça a marché! On va pouvoir mettre tellement de bonnes choses là-dedans. Et on les aura toujours à portée de main. Suffit de tendre la main pour les attraper. Nikki, joins-toi à moi! Mais sa copine a une autre idée. On va plus laisser ses éponges traîner là. On peut s'en servir comme déco pour la table de nuit. C'est parti! Place les éponges sur la table de nuit, puis colle-les. C'est une œuvre d'art, Nikki! Un Rubik's Cube en mousse! J'ai fait de mon mieux, Sou. Maintenant, on va pouvoir ranger nos manuels scolaires dans la pièce secrète. La pièce secrète doit rester un secret. Mais il y a tellement de gens à l'école. Quelqu'un arrive? Ferme les portes, meuf. On n'est pas là, mec. C'est sérieux? Mais on va garder cette balle. Super. Personne n'a remarqué la pièce secrète. Tu veux jouer, ma belle? Attrape. Sou est une championne de basket. Elle peut presque goûter à la victoire. Mais pas ce soir. La balle est fichue. Une punaise l'a percée.
T'inquiète pas, Nikki. On peut toujours l'utiliser, cette balle. On va couper le bout et la décorer avec une tête rigolote. Et maintenant, on va la peindre. Du rose, c'est parfait. Et la touche finale. On ajoute un peu de noir. Regarde, Nikki. Maintenant, on a un vase. Super idée, Sou. Des fleurs dans ce vase apporteront de la fraîcheur dans la pièce. Les enfants, vous allez passer un test. C'est parti. Et ne vous avisez pas de tricher. C'est du sérieux. Sans l'aide d'un ami, ça va juste être impossible. Je suis au téléphone, Sou. Reçu, meuf. Note ça. La pièce secrète va sauver Nikki d'avoir une mauvaise note. Mais le prof n'est pas dupe. Il y en a une qui triche ici, non? Je suis pas d'accord. Terminé, on arrête ça, les filles. Nikki, Nikki, t'es là? Malheureusement, son téléphone en carton l'a lâché. Y a un souci, Nikki? Continue d'écrire. C'est pas juste. Qui a inventé ces tests, d'ailleurs? Nikki, tu fais encore la sieste. Qui va faire tous ces devoirs? Regarde tous les exercices qu'il y a. Pas question, meuf, les devoirs, c'est pas mon truc. Je suis tellement fatiguée. Sou, de son côté, est une élève responsable. Elle va faire tous ses devoirs. Mais il n'y a pas de table dans la pièce secrète. C'est pas pratique. Va falloir trouver quelque chose. C'est bizarre, ça. Qu'est-ce que Nikki fait avec des spaghettis? Tiens, tiens, j'ai une idée. On va pas manger de pâtes. On va faire une super table avec. On a déjà la base. Ça va le faire. Suffit de planter des spaghettis dans le polystyrène. Et de poser le deuxième morceau de polystyrène par-dessus. Et voilà! Mais la table doit être jolie, non? On va la décorer avec des autocollants. Et coller un boa sur leur bord. On doit faire ses devoirs avec goût. C'est parti! Il y a tellement de devoirs aujourd'hui! Oh, c'est la cloche! Nikki, réveille-toi! C'est ton cours de sport! Oh, j'ai failli être en retard! Merci, ma belle, tu me sauves toujours. Les filles populaires du club de gym restent toujours qu'entre elles. Salut les filles! Évidemment, ses camarades de classe la remarquent jamais. C'est pas grave, on va s'y mettre! De quel siècle il date ton uniforme, Nikki? T'as rien de mieux à te mettre ou quoi? Ok. L'essentiel, c'est de pas leur prêter attention. Mais ses camarades de classe vont pas lui rendre la tâche facile. Aouh, ça fait mal! Nikki, regarde où tu mets les pieds! T'es tellement maladroite! Sou, mais pour qui elles se prennent, ces filles? Qu'est-ce qui s'est passé, Nikki? Elles m'ont fait un croche-pied, t'imagines un peu? On va se venger. Suis-moi. On va leur tendre une embuscade. Voilà nos cibles. On va leur donner une bonne leçon. Sou est vraiment douée pour ça. Oh, c'est quoi ça? Ma belle, t'es toute mouillée? Vite, tu dois te changer! Nikki, on a réussi! Merci, Sou! Wow. Top là! On peut pas prendre de beaux selfies comme ça dans le noir. Qu'est-ce que je pourrais faire? La lampe, c'est à toi de jouer maintenant. Elle est allumée, en effet. Mais elle va pas du tout avec le reste de la déco. On va arranger ça. On va peindre l'abat-jour. Et voilà! Même pas eu besoin de pinceau. Nikki, qu'est-ce que tu fais? Tu veux grignoter? J'ai pas le temps, Sou. Mais je peux quand même utiliser ces oursons en gélatine. On va décorer l'abat-jour avec. Ça rend trop bien! Nikki, attends! On a aussi ce beau bonhomme. Nickel, Sou! Souris! C'est dans la pièce secrète qu'on fait les meilleurs selfies. Et la lampe rend cet endroit encore plus cosy comme ça. Sou a un petit secret. Elle est amoureuse de Ryan. Et aujourd'hui, elle va tenter de gagner son cœur. T'aimerais voir ma pièce secrète? Quoi? Viens, je vais te faire visiter. Bienvenue, fais comme chez toi. Waouh! Une pièce secrète sous les escaliers. Sou a eu une très bonne idée. Mais son date va devoir être reporté. Nikki est là. Salut meuf. Qu'est-ce que tu fais, Sou? C'est notre pièce secrète! Qu'est-ce qu'elle chuchote? T'as raison, Nikki. Ryan, on n'a pas le temps pour ça. Prends ça, et pas un mot sur ce que t'as vu. Comme vous voudrez, les filles.
Juste chut, le dis à personne. C'est une pièce secrète. Mais Ryan s'est fait prendre. À vous, gamin. Il y a une pièce secrète dans l'école, hein? Non, monsieur le principal. T'as entendu quelque chose à propos d'une fête? Dis-le-moi. Pas de fête? Pas de pièce secrète non plus? Je n'y crois pas, j'ai trouvé des invitations. Mais Ryan est un dur à cuire. Il va pas trahir Sue. Et il va vraiment y avoir une fête à l'école d'ailleurs. Dans la pièce secrète. Oh. Et tout le monde est invité. Hey. Ça va être super, je vous promets. Venez. Vous vous rappelez qu'on organise une fête? De la musique, un dance floor, un buffet. Faut absolument pas que vous ratiez ça. Nikki, ça va être la teuf de l'année. On doit juste rendre la pièce un peu plus festive. Une boule à facettes fera l'affaire. Nikki, aide-moi. C'est vraiment mieux comme ça. La pièce sous les escaliers est rayonnante. Les premiers invités arrivent. Entrez, entrez. Mettez-vous à l'aise. Contente de te voir, Ryan. La fête est une réussite. On peut faire tout ce qu'on veut dans la pièce secrète. On a fait du bon boulot, Sue. Mais on ferait mieux de baisser la musique. Sinon, le principal va l'entendre. Oh non, la fête est en danger. Attention, les enfants. Quelqu'un arrive? On va faire comme prévu. Je ferme les portes. Et on va rester assis ici, tranquillou. Mais on a besoin d'une distraction. Comme jouer du tambour. Qu'est-ce qui se passe ici? Principal, je ne fais que de répéter. Ah, cette école. On ne peut jamais avoir une minute de repos. Bien joué, les gars! On peut continuer à s'éclater. La fête a été sauvée. Et on peut aussi se faire une soirée cinéma. Qu'est-ce qui passe ce soir? Oh, regarde! Il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne Teen Times. Wow, l'histoire a l'air trop amusante. Like cette vidéo. Suis le lien dans la description vers notre nouvelle chaîne. Et oublie pas de t'abonner.